Hey, cucu mes petits culs et bienvenue pour cette nouvelle petite vidéo. Vous avez déjà entendu parler du clown triste dans les Sims 4, c'est une vieille mise à jour qui date d'avril 2016, ouais ça remonte quand même, et je sais que certains d'entre vous, et moi y compris, n'avons jamais pris le temps de tester ce petit gameplay avec le clown triste. Gameplay, vous avez dit, effectivement, le clown triste est donc dans un tableau. Le tableau, vous le mettez chez le Sims en question et il suffit que le Sims regarde ce tableau, le contemple, pour activer la venue du clown triste et peut-être d'autres choses. On va lire tout de suite l'article qui est en lien de la mise à jour de 2016. Ça me tue me dire que ça fait déjà 6 ans qu'ils ont fait cette mise à jour, que j'ai toujours pas testé. Ouais. Waouh, super youtubeuse, hein. Allez, on va lire ça tout de suite. Faites attention au clown triste, désormais disponible dans les Sims 4. Veuillez nous excuser, ça commence bien, ça donne l'ambiance. C'est un peu embarrassant, nous voulions ajouter une nouvelle caractéristique dans les Sims 4 pour rendre vos Sims plus heureux. Nous avons donc créé un clown, mais il semble y avoir un petit accident. Les clowns sont censés faire sourire les gens, n'est-ce pas? Eh bien, pas celui-là. Ce clown ne fait que rendre les gens tristes, c'est vraiment tragique et totalement accidentel. C'était une blague, nous avons fait exprès de faire un clown qui ne fait rire personne. Les fans du jeu d'origine, les Sims, se souviennent peut-être du clown triste, un personnage classique qui rendait tout le monde malheureux autour de lui. C'est vrai. Ce sympathique personnage est désormais de retour et disponible gratuitement dans les Sims 4. Si cela ne vous rend pas heureux, eh bien, ce n'est pas ce clown qui va vous remonter le moral. Le clown triste ne fait que rendre triste les autres Sims. Regardez le pauvre petit malheureux. Le clown triste apparaîtra dans le monde si vous téléchargez la dernière mise à jour des Sims 4. Vous ne saurez donc jamais quand cette âme torturée arrivera pour tenter maladroitement de jongler. Vous pouvez aussi le faire venir en regardant la toile clown triste. Vous pouvez même enfiler la tenue de clown triste si vous voulez que ce soit votre Sims qui apporte un divertissement déprimant aux autres Sims. Nous avons hâte de voir à quel point votre Sims va adorer ce nouvel ajout dans le jeu. Ah, mais donc il y a aussi la tenue qui fait que quand le Sims apporte, il devient lui-même le clown. Écoutez, on va tester ça, hein. Moi j'ai envie de dire, on va tester ça. On se retrouve tout de suite en jeu. Voici India. India, elle sera donc notre cobaye pour la vidéo d'aujourd'hui. India n'a rien du tout de triste en elle. Elle est bienveillante, elle est joyeuse, et c'est une machine à danser. Et en plus, elle a une aspiration qui est joyeuse, puisqu'elle veut être amie de tous. Donc il n'y a rien qui la prédestine à être d'une tristesse absolue. Sauf que peut-être, aujourd'hui, on va essayer de voir ce que ça donne avec cette pauvre fille. Et on va lui acheter la magnifique toile du clown triste qu'on va lui faire contempler. C'est parti, on est dans le mode construction. Je vais chercher la toile du clown qui n'est pas hyper chère. Elle est ici. Clown triste. Clown triste, clown triste. Que vous a-t-il fait? Une nouvelle création d'Angelo dans le cadre de la série Perspective sur les clowns. Cette œuvre montre la triste vie des clowns qui craignent qu'un seul ballon éclaté puisse mettre fin à leur carrière. La rumeur dit qu'Angelo a peint cette toile en hommage à sa phobie des gens très maquillés. Mais nous sommes persuadés qu'il a aussi une phobie des ballons. Voilà la magnifique toile. Alors je vais supprimer ces deux-là pour qu'on puisse mettre celle-ci en avant. Bah on voit bien, hein. On voit très très bien le clown... Une tristesse absolue, qui a son ballon entre les mains. Bah voilà, il a pas... Il fait pas rêver. Il fait pas rêver, le pauvre. Et donc, India, tu vas contempler clown triste. Je t'invite à le faire. Voilà. Vous voyez qu'elle était inspirée, une émission, c'est bien décoré. Que va-t-il se passer? Aïe, aïe, aïe! On dirait la musique de la mort. Ah! Il arrive! Oh non! Clown triste, Kazuki Ishii. Bon, bah par contre, fais pas à manger, s'il te plaît. Présentation amicale. Oh non, il pleure, le pauvre petit chaton. Kazuki, qui regarde son propre portrait et qui pleure. Mais elle, ah si, ça y est. Quelle tragédie est près d'un clown triste. Ris, clown, ris de ta tragédie. Ris du nuage qui assombrit ta vie. Ou ton âme, ou... Oh, le pauvre, il est d'une tristesse. Allez, tu vas faire connaissance, tu vas apporter ton aide, tu vas essayer de lui remonter le moral, peut-être. Lui raconter des blagues, tout ça, peut-être, voir ce que ça peut faire. Oh, il est amoureux des chats. C'est bien. Allez, allez, mon petit clown. Conversation agréable. Il va peut-être rigoler, hein. Si on est sympa avec lui, si on le réconforte, il y a moyen que... Le défi, ce serait de le rendre heureux, ce serait trop drôle. Oh. Oh non, il pleure encore, bichette. On va essayer de lui remonter le moral, hein, faire des blagues, tout ça, hein, mais voilà.
Il était clown triste à cette... Ah, il était clown triste, il n'y est plus. À clown joyeux, SA. Il s'est fait virer parce que de clown joyeux, il est devenu triste, quoi. Bon, elle lui raconte une vanne, mais il a l'air de s'en balèque, quand même. Hein. Puis alors, ce costume dégueulasse, il ferait mieux de passer un petit peu à la machine. Hein. Oula! Et en plus, elle se fait insulter, il est méchant! Mais quel plaisir! Et si elle recontemple, est-ce qu'on a un deuxième clown triste qui pop? Ça pourrait être intéressant à regarder, ça. Pendant qu'il pleure toutes les larmes de son corps. Elle est retriste à force de regarder ce tableau. Et est-ce qu'on va avoir un deuxième clown qui va débarquer? Ou est-ce que, un, ça suffit pour ce monde triste, déjà? Je surveille. Pas l'air qu'il y ait un deuxième clown qui se pointe, hein. Ce qui, au final, n'est pas plus mal, parce que ça veut dire qu'on n'aura qu'un seul clown triste. Mais je sais pas combien de temps il va squatter. Oh, regardez, elle est près de lui, elle est triste. Je vais la faire aller dans la chambre. Et hop, elle va mieux. Il a une aura négative autour de lui, celui-là, c'est un truc de fou. Et puis bon, bah, fameux Jackie qui est encore là. Il va aller contaminer les autres gens dans le couloir. L'enfoiré. Allez, pour la deuxième partie de cette petite vidéo, eh ben, je vais lui faire... avoir une nouvelle tenue, la tenue du clown, pour voir ce que ça fait sur un Sims. La fameuse tenue du clown est ici. Donc on a deux couleurs. Ah oui, la couleur dégueulasse que lui, il a. On va lui mettre cette couleur-là, c'est pas mal. Bon, ses cheveux passent à travers. On va juste mettre la tenue, je pense, parce que je pense que la coupe de cheveux va pas vraiment bien lui aller. On va déconner non plus. Apparemment, le clown triste est parti entre-temps et elle va se changer. On va lui mettre la magnifique tenue. Oh mon dieu! Alors elle a pas la... Je lui ai pas du tout mis le maquillage, j'ai juste mis la tenue, changé sa coupe de cheveux. Et en fait ça lui met le maquillage et le nez rouge direct. Et elle est elle-même très triste maintenant. L'arme de clown. Le monde d'India est celui d'une clown triste. Le monde réel a tenté de la faire rire, mais la morosité submerge cette âme malheureuse. Oh non! Quelle tristesse! Oh là là, est-ce que du coup elle peut faire des trucs? Est-ce que tu peux voir le bon côté des choses? Oui? Non? Pas trop? Alors, il y a des gens qui s'invitent chez nous, c'est bien, super. Tu vas faire une présentation amusante, on va voir si ça va le faire rire à ce garçon là. Avec ton costume de clown ignoble. Il est triste déjà, hein. Et apparemment on peut faire des trucs. Essayer tragiquement de réconforter. Vas-y, je veux voir ça. Non, bah ça a pas l'air de marcher. Hein. Ah d'ailleurs, quand on est clown, on peut pas faire de trucs très drôles. Hein, pas raconter peut-être une blague sur Sunset Valley. Et ça... Non, ça les fait pas rire du tout, en fait. Ok, tu vas demander conseil à ce garçon. Bon, même si déjà il squatte chez toi, il a rien à foutre là, mais bon, c'est pas grave. Ah non, ça passe pas du tout, hein. Est-ce que tu peux encore essayer tragiquement de... Ah, tiens, Kazuki. J'aime bien, c'est que là, il est sans maquillage, alors que elle là, après le maquillage, c'est magnifique. Hein. Bon, elle pleure vraiment toute seule, et elle a du mal à même lui remonter le moral. Tiens, pourquoi il fait une photo? Tout va bien. Écoutez, on va la faire jongler. On va voir ce que ça donne, si c'est aussi tragique que ça de la faire jongler ou pas. Mais pour l'instant, il s'aime pas du tout, hein. Et puis, il est triste... Mais il y a tout le monde qui pleure, en fait, dans le coin. Oula! Attendez. J'ai raté. On a eu le point, point, point. Mais... Tu veux pas... Ah non, mais j'ai raté le jonglage. Oh non! Vas-y, vas-y. Rejongle un petit peu, j'ai envie de voir ça. Attention. Ah oui, effectivement, oui. Bah, je pense que j'aurais pas fait mieux, personnellement, donc... Du coup, ça l'a fait pleurer. Oh la pauvre biche! Et est-ce que, en tant que clown triste, si elle contemple le tableau de clown triste, ça fait venir un autre clown triste avec qui elle s'entendra bien, parce que dans la tristitude, tout le monde va bien, non? À force, je vais peut-être la faire crever de tristesse, hein? Si c'était une mort dans les Sims, je pense qu'on aurait gagné. Alors, c'était le marché aux puces, je sais pas, il y a la moitié qui s'est affichée. Elle va essayer de jongler pour... voilà, il y a un artiste de rue déjà.
Oh non, tu lui as brisé le cœur direct! C'est pathétique, hein, ça. On était déjà au courant, mais bon, je m'étais dit que... Ah là là, essaye de jongler encore. Oh non, la pauvre. Et l'autre qui lui fait l'affront d'applaudir quelqu'un d'autre en face, elle pleure aussi. Oui, c'est ignoble. C'est horrible, c'est vraiment genre elle passe, il y a tout le monde qui pleure, quoi. Il n'y a pas de demi-mesure, quoi. Voilà, elle est au milieu de tous ces gens-là. Est-ce que tous vont se mettre à pleurer? Vas-y. Ouais, voilà. Attendez, attendez, on va jongler. Là là. Ah, la tristesse infinie. Bon, après, je trouve que c'est mignon, c'est rigolo d'essayer de faire ça et tout. C'est vrai que c'est pas un gameplay qu'on fera tous les jours, mais je voulais tester au moins une fois, voir ce que ça faisait. Bah écoutez, on a invoqué le clown triste, on a incarné le clown triste, et effectivement, c'est très triste. Voilà, et merci India de s'être prêtée au jeu, parce que la pauvre, regardez-moi ça. Non seulement elle est triste, mais elle rend tout le monde d'une tristesse absolue. C'est quand même très 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 triste, cette histoire. Enfin bon, ça vous empêchera pas quand même de liker, hein. Ça c'est positif et c'est cool, c'est bien. Ça me rend heureuse personnellement. De mettre un petit cœur et de partager sur tous vos réseaux sociaux. Je vous fais des gros bisous, on se voit très bientôt. Ciao ciao!